gens, ici c'est Shadowar, et c'est une vidéo un peu spéciale on retrouve aujourd'hui, puisque je suis en compagnie d'Emilia Licorne. Voilà, moi elle rigole, c'est pour dire bonjour. Voilà. Et de Virlox qui est à côté de nous parce qu'il a vu qu'on était en train de faire un truc, et il s'est dit tiens, si j'allais rentrer ici. Bref, non, il ne connaît absolument pas le jeu qu'on va faire, mais c'est pas grave, on va l'initier en quelque sorte. Donc voilà, je l'ai reçu, allez. Je suis allé chercher dans la boîte aux lettres, il y a même pas une heure. Et on commence déjà à vous tourner un truc. Alors, Kingdom Hearts, pour ceux qui ne connaissent pas, la série elle a débuté il y a 10 ans, c'est ça? Elle a commencé il y a 10 ans, donc c'était sur PS2 pour ceux qui s'en souviennent. Donc c'est le premier, alors ici c'est une remise en HD justement du premier volet. D'un épisode aussi qui est sorti sur Game Boy Advance, il doit y avoir un peu moins d'une dizaine d'années aussi. Et seulement les cinématiques, donc c'est pas le jeu, c'est-à-dire qu'on a le jeu du 1, on a le jeu de 1,5 on va dire. Et seulement les cinématiques du 3ème, qui est un épisode sur DS que je possède, donc de toute façon moi je m'en fiche, je connais déjà. Mais juste pour les deux, pour les deux premiers, ça valait largement le coup. Alors pour ceux qui connaissent pas Kingdom Hearts, pour expliquer brièvement, si vous voyez ce que c'est Final Fantasy et que vous voyez l'univers des Disney, vous fusionnez ça et ça vous fait Kingdom Hearts, voilà. Et le 3, alors sachant que le 3 a été annoncé, je le crois, il n'y a pas très longtemps, donc il va sortir sur PS4. Et donc il y a à peu près 5 ans de différence entre le 2 et le 3. Pour ceux qui veulent se plonger dans l'histoire de Kingdom Hearts, c'est très compliqué parce qu'il y a des jeux sur à peu près toutes les plateformes et l'histoire est très compliquée. Même si ça se passe dans les Disney, c'est pas un truc de gamin pour ceux qui aimeraient. Bref, on va lancer ça tout de suite. Et oui, et surtout que j'ai oublié de lancer l'enregistrement. Donc, voilà. C'est pas très grave. Allez, c'est parti. J'espère qu'on n'entendra pas trop le son, parce que du coup pour entendre tout le monde le micro est assez ouvert on va dire. Donc qu'on entende un peu tout le monde, j'espère qu'on va pas entendre le son de la télé histoire que ça nique pas la vidéo. Voilà. Je t'avais dit qu'il fallait le lancer en... Donc autant dire qu'on est tous très fébriles devant l'écran. Ça joue que rien. Et donc oui je n'ai même pas dit mais c'est un let's play. Un peu en mode détente avec Emilia Licorne qui nous accompagnera pendant tous les épisodes. Disney. Disney c'est la vie. Disney c'est la vie. C'est la merde. Disney c'est la vie, c'est tout. Square Enix c'est mieux. Non. Si. Tarzan. Ou Ned d'ailleurs. La petite sirène aussi. Quand il y aura la petite sirène, bouchez-vous les oreilles, elle va crier sinon. Alors, on va faire la nouvelle partie, c'est parti. Non, on va se mettre en mode normal, je pense, parce que difficile si on galère trop. Ça c'est quoi? La caméra. Ouais, on va mettre en automatique au début, puis on va voir comment. Oui, on aime quand ça vibre. C'est parti. Oh mon dieu. Tout va bien. Ça va aller. Chut. Eh ben, je couperai. I've been having these weird thoughts lately. Like, is any of this for real or not? Oui, pour ceux qui ont joué à la version originale, le 1 sur PS2, il était doublé en français. Cette fois-ci, ils ont pas mis les doublages français. Donc, c'est imposé en doublage anglais et donc sous-titré français. Donc, vous serez obligé de lire. C'est notre personnage principal, c'est Sora. Et là, c'est son meilleur pote, Rico. Elle est trop belle.
Attention la vague. Viens de l'eau, on est bien. Hop, j'ai disparu. Donc si vous connaissez pas, c'est juste le générique d'intro. Oui, plus ou moins connu. Ouais. Vous inquiétez pas, l'histoire du jeu va être tout expliquée au fur et à mesure, c'est normal. C'est beau, hein, je dis. Oui, parce qu'on a, on a refait le jeu sur PS1. Alors Kairi, c'est une de leurs amies aussi. Enfin, c'est la troisième, parce que c'est un trio. Voilà. C'est Emily la licorne, parce qu'elle a les cheveux rouges, tout pareil. Mais moi j'ai pas les cheveux comme ça, donc non, c'est pas moi. Même avec du gel, ça me tient pas. Putain, il y a de l'eyeliner, ça va. Si vous ne comprenez pas, c'est normal. Mais surtout sur DS, c'est pas ça tombe pas autour de Sora, donc... Mais j'aime bien aimer les épisodes sur DS. Parce qu'on apprend trop sur DS. T'apprends pas mal de trucs. Tu comprends peut-être la fin. Que Puig. Voilà. Et donc oui, sur ce let's play, bon, on va faire celui-là et on fera peut-être le Chain of Memories à la suite. Je pense, hein. Puis je pense qu'on finisse les deux jeux, le 2,5 sera sorti, donc on le fera aussi après. C'est quoi, c'est Attends, frère, je voulais lui acheter. Sauf que c'était importé du Japon. J'ai pas pu. Ouais. Et en fait, il t'a plu beaucoup. Oh, moi, je voulais une Keyblade. Non, c'était la couronne. Et là, les gens qui font quoi, c'est quoi? Oh mon dieu, Blanche-Neige. Et les sept nains. C'est comme, ah, voilà. Comme le début de... Du 1. Du jour DS, non? Oui, oui, c'est tout ce qu'il y a tant à faire. Et si peu de temps. Exactement. Oui, oui. Mais ne te presse pas. N'aie pas peur. C'est pas exactement le même parce qu'il y a des... Il y a des choses en plus, en fait, à faire. Mais l'histoire est la même. La porte est toujours fermée. Maintenant, avance. Viens par ici. Allez, viens. Allez, viens. Ah, ça y est. Je peux. Ah, j'ai quand même le contrôle de la caméra. La la la. Bonjour, je vais te piétiner la face, Blanche-Neige. Normal. Le pouvoir est en toi. Non, là tu dois choisir deux objets. Là. Si tu lui donnes forme, il te donnera la force. Prends la baguette. Non. Allez, choisis bien. Prends la baguette. Non. Tourne à gauche. Alors en fait, ça c'est. En fait, on vous donne un choix à faire, donc à choisir quelque chose. Un des trois objets, c'est-à-dire soit l'épée, soit le bâton de magicien, soit le bouclier. Je sais que... Non, je vais prendre l'épée, je sais. Je sais, c'est très méchant de ma part. Méchant. Mais vous inquiétez pas, vous allez comprendre pourquoi. Un courage invincible, une épée à la puissance destructrice. Et c'est le pouvoir que tu cherches. Oui. Qu'il en soit ainsi. En fait, ça va avoir un impact sur tout le jeu. Qu'abandonnes-tu en échange? Et donc, voilà. C'est là, parce que je voulais conserver le bâton. Et donc on va abandonner le bouclier. Le pouvoir du gardien, l'esprit de protection, un bouclier pour tout repousser. C'est très philosophique, hein. On vous prévient à l'avance, prenez vos aspirines. Tu choisis le pouvoir du guerrier. Tu abandonnes le pouvoir du gardien. Oui, c'est ça. C'est ce que je viens de faire en fait. C'est la forme que tu as choisie. Non, je veux changer en fait. Oh mon dieu! Ah oui, il a brisé un. En plus, c'est la Blanche-Neige, quoi. Heureusement qu'on aime pas trop Blanche-Neige. Donc... C'est tant de malheur, t'as brisé une assiette. C'était vendredi 13. C'est tant de malbouffe. T'as brisé une assiette. Et on va se taper tous les Disney? Non. Là, c'est Cendrillon, après, hein, pour ceux qui n'ont pas reconnu. La... Je crois qu'il y a la Belle et la Bête, ouais. Après. Et après, il y a. Aurore. Tu as acquis le pouvoir de combattre. Ouais, c'est ça. Alors, si vous aimez bien les Disney, voilà. C'est normal. Par contre, du coup, désolé. Parce qu'en fait. Non, ok. Bon, bah, je ne peux pas. Je voulais changer la caméra parce que. Elle est chiante, en fait. Voilà, tu as compris. Je sais comment battre, quand même. Pour te défendre, à protéger les autres. Ça marche. Je ne t'interdis. Oui, c'est exactement le même. Exactement ça. Alors, oui, on insiste. Personnellement, je me souviens plus. Hein. Je devrais être très combat souvent.
Alors là, vous allez découvrir les ennemis du jeu, donc les sans-coeurs, contre ceux qui convoient au temple. Et on va aller déjà. Oh là, on va déglinguer. Putain, mais c'est un peu. Bah, en même temps, c'est un, enfin, c'est un cas, je veux dire. Ils sont à peu près tous similaires. Il y a des petites particularités à chacun. Mais... Déjà, il est devenu beaucoup moins chiant à faire certains trucs. Alors là, on récupère des orbes vertes, c'est pour la vie. Il vous apprend les bases, hein. Les ramasser en vous approchant, voilà. Certains des HP, d'autres DMP. Bon, c'est simple, les boulettes bleues, ça donne DMP, les boulettes vertes, ça donne des HP. C'est quoi si t'avais choisi le gardien? Oh mon dieu, derrière toi! Je vais le prendre par derrière. Normalement, vous attaquez automatiquement la plus proche. Ah oui, ils nous apprennent à locker avec R1, voilà, donc ça fait ça. Du coup, on peut se balader et faire n'importe quoi, là, ça va locker toujours la même. Et on rappelle. Et normalement, voilà, avec L2 et R2, on peut changer les cibles. C'est bon. Vous voyez ma barre de HP en bas à droite, ma barre de MP en bas à droite aussi. Bon, les MP on peut pas les utiliser, pas vraiment. Faut avoir des sorts et tout ça. Alors faut savoir que c'est quand même un jeu qu'à 10 ans, soyez indulgents. C'est juste les graphismes qui ont été refaits, hein. Je veux dire, les animations, ça se voit qu'elles ont 10 ans. On peut pas faire des miracles. Non, bah oui. Alors là, du coup, c'est qui? Ouais, je pense que c'est Aurore en rose comme ça. C'est ou alors il y a personne. La belle au bois dormant. La belle au bois dormant. C'est belle Aurore. En fait, non, c'est personne. Rien, en fait c'est juste. Si, il y a les. Il y a trois princesses. Mais non. Ah, si, je peux, à peu près. Alors, y a... Ben, c'est les deux mêmes sur les côtés, donc. Y a Aurore, c'est trois princesses c'est... en fait. Le coup sensitif, voilà. Non, examiner. Alors, pour ceux qui ont joué au premier, J'arrive pas à l'ouvrir. Normalement, à chaque fois pour faire une action, faut sélectionner, faut faire descendre et monter. Maintenant, ils ont attribué des touches à chacune. C'est mieux. Donc, oui, pour le moment, c'est moi qui joue. Mais après, ce sera Amy. Oui. Donc là, ils nous ont dit qu'on peut frapper. Ah non, non, c'est triangle. Cool. Oh, quelle technique. Oui. Prochaine fois, alors ça, non, celle-là faut la pousser. Non. Voilà. Tu pourras plus rentrer. Oui, aussi il est brisé. Je peux les tacler. Si hop, voilà. Alors voilà, on peut utiliser des objets. En cache, voilà, on peut utiliser des objets. Qui peut servir à toutes sortes de choses. Alors là, ils nous apprennent aussi qu'on peut locker. C'est vraiment la merde. De quoi? La caméra. Mais en fait, le problème c'est que. Voilà, c'était fait exprès, il faut que je l'envoie là-dedans. Et en fait, quand je tourne à droite, le machin tourne à gauche. En fait, il tourne en inverse de moi, donc c'est pas très pratique. Ah, bah si, c'est bien ça. Bon, on peut l'ouvrir maintenant? C'est beau. La lumière. C'est trop bien, c'est fluffy. I'm gonna go. Ah, patience, la porte ne va pas s'ouvrir tout de suite. L'île du destin, d'abord, dis-moi en plus à ton sujet. Appuie sur Select pour passer à la vue subjective. D'accord. Donc la vue subjective. Coucou, je regarde autour de moi. Voilà. Première personne, troisième personne. Donc là, pour ceux qui ont joué à Final Fantasy, ben, vous regardez un peu le design des personnages, de toute façon, vous ressemblez. Tu pars de quoi? D'être différent. Il manque un bout de non, d'hésiter, voilà. C'était fait si peur d'hésiter, oui. Parce que être grand, on est déjà grand. Et puis d'être différent, c'est bien d'être différent. Qu'est-ce qui compte le plus pour toi? L'amitié. C'est si important l'amitié. Le philosophe? Ouais. Toi, tu veux quoi? C'est quoi ton rêve? Faire le tour du monde! Faire le tour du monde? Allez, faire le tour du monde. C'est faire le tour du monde, hein. Tu as peur d'être indécis. Tu recherches l'amitié, tu veux faire le tour du monde. Sans amis! Je m'appelle Rémi et je suis sans amis. Je me balade dans la vie. Jour du grenier. Ah non, midi, moi je mange. Ton voyage débutera à midi, tu avanceras à un rythme constant jusqu'à son terme. Ça me va. Tranquille. Le jour où tu ouvriras la porte est à la fois lointain et proche. Comme je vous l'avais dit, c'est très philosophique. Et je suis désolé si on entend le son de la télé. On essaiera de résoudre ça. Ou pas. Ah bah voilà Aurore. Voilà, Aurore. Faut juste parler tout le temps. C'est presque ça. Alors, sachant que Virlox qui est à côté de nous n'a jamais vu aucun Disney de toute sa vie, honte à lui. J'ai vu le roi Lion.
20 minutes du Roi Lion. Oh là là. J'ai vu quoi d'autre. On va utiliser des objets. Voilà. Mais attention, tu peux pas l'ouvrir en plein combat. Non, j'ai quand même vu Blanche Fesse. Si, si. Ouais, bah bien sûr. C'est un film pornographique, mais c'est pas grave. C'est bon, ça. Oh, dégueulasse. Bon, allez. Fais-leur la peau. Ouais. Enfin, ils ont pas vraiment de peau. Fais-leur les mains. Je sais plus si je suis obligé de mourir dans celui-là. Non, non, c'est pas tout de suite que je te demande. Après, il y a ton... Ah, peut-être, ouais. Fait... Raconte pas toute l'histoire. Oui, si tu dois péter ton nom, ça fait 3 Zelda. Donc oui, là, c'est sûr qu'on a pas de combo, donc c'est un peu répétitif de taper les mecs, mais bon. Oh putain, la caméra. Le cercle de feu. C'est quoi Sushi. Ouah. Mes bulles. Ouais. Non, c'est un Pixar. Pas exactement la même chose. Alors ça, c'est un point de sauvegarde ou un point de téléportation. Mais on va d'abord faire start pour vous montrer un peu l'interface. Donc, Sora. Alors Mal, c'est en gros, c'est notre sac, voilà. Sora, c'est les objets qu'on peut porter sur nous et les utiliser, parce que sinon. Sora ou Sora? Parce qu'on peut pas utiliser. En fait, on a une espèce d'inventaire rapide qu'on peut utiliser en combat et les autres dans la Mal, on peut pas les utiliser. On a un équipement, donc là, c'est notre l'épée. On peut avoir d'autres accessoires. Histoire de booster notre... Ça fait un peu RPG, c'est sûr. Là, on a des compétences, mais pour le moment, on n'a rien. Groupe, parce qu'après, on va avoir d'autres personnes avec nous. Des personnages de Disney. Technique, c'est pour régler autre chose. Alors, état, c'est nos caractéristiques. Et option, je vais juste changer la caméra en manuel, parce que c'est pas possible autrement. Le config... Ok, d'accord, ok. Ouais, ouais, c'est bon. Ok. Alors, la caméra... Ah, c'est déjà... C'est la même. C'est la même chose. Ok, la caméra. Bon, va falloir que je m'habitue, c'est tout. Non, mais je vais m'habituer. Tiens, Amy, tu veux jouer un coup? Moi, je veux bien. Non, pas toi. Qu'est-ce qui se passe? Mais moi, je voulais sauvegarder. Mais après, il y a l'escalier. Putain, tu te souviens de ça? Bah putain, oui, je me souviens bien même pas sûr, de ça. J'ai fait plein de fois le début, moi. Ah ouais, mais moi quand on a recommencé l'histoire. Mais alors, on l'a pris en cours de route. Voilà, on était au truc de Tarzan, et alors pour retrouver, c'est ça va être chaud. C'est moi qui fais le début. Avec maman. Ok, celle de l'éveil, c'est bon. Allez, on y va. Ouais, mais c'est vraiment pas. La caméra, elle est pas facile. Je peux aller jusqu'au bout, y'a rien. Oh non, mais je sais. C'est beau. C'est particulier comme il saute, hein. En fait, il fait parachute avec son short. Non, c'est pour ça qu'il écarte les jambes. Ouais. La belle. Et voilà, la belle et la bête. Coucou. C'est pas de la merde. Déjà, ne dis pas que un Disney c'est de la merde. Plus tu approches de la lumière, plus ton ombre grandit. C'est normal. Disney c'est la vie, c'est tout. Coucou. Voilà. Donc là, on a une ombre. On dirait l'ombre de. Allez, non. Mais n'aie pas peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Yu-Gi-Oh! Mais c'est oui, vrai que ça ressemble un peu. Et n'oublie pas. Oui, il est quand même assez grand le monsieur. Non, ça va. Donc... Non, c'est pas ça. C'est comme. C'est difficile à dire. C'est lui en fait. C'est sa peur. Voilà, c'est sa peur. Donc on doit le battre. Voilà, donc en fait c'est symbolique le fait qu'il ait un gros cœur en plein milieu, qu'il soit vide. C'est parce que les ennemis qu'on affronte, ce sont des sans-cœurs. Non, faut que tu montes sur sa main. Non, non, faut juste le taper parce que là je peux pas monter encore. C'est quoi? Comment elle a tout spoilé? On a vraiment trouvé. Bon, je vais peut-être loquer les petits parce que... Non, loquer les petits. Je peux pas. Non mais il veut pas le faire. Attention, mets-toi en profondeur. Parce que ça va te tomber dessus. Mais comment tu... Ouais non, je peux pas mettre derrière, en profondeur. Quoi? Mais tu te souviens de tout quoi, je vais te... Oui, tu sais quoi, je vais te laisser jouer parce que... Moi ça fait longtemps hein. Moi le début du 1, ça fait taquer longtemps que je l'ai pas fait. Je l'ai fait parce qu'il y a eu l'épisode... Enfin sur Recoded là, où tu refais à peu près le 1. Mais comme je suis une brèche, je l'ai pas évité. Juste, voilà, on va faire ça.
Ah oui, oui, parce que je vous ai pas dit, on peut monter les compétences, donc on peut monter le niveau, donc voilà, je vous ai pas dit. Oui, c'est une sorte d'RPG, c'est vrai. C'est un JRPG, RPG japonais. Oui, parce que là, en fait, quand tu le bats, tu l'as pas battu. En fait, tu l'as pas battu. Et là, on va tomber. Non, il va nous faire tomber. On va s'aimer. N'aie pas peur. Putain, y'avait pas ça, le truc, ça tremble. Si. Ah, j'en souviens plus. C'est trop. Oui. Ouais, non. Je me tiens la puissante des armes. Ben non, ça vibre rien. Ah. Ok. Et n'oublie pas. Pas. Il faut manger des loups. N'importe quoi. C'est toi qui ouvrira la porte. Et ça, vous ne comprendrez cette phrase qu'à la fin du jeu. C'est dommage. Non. Sur l'île aussi. Ah, bon, d'accord. Mais ta gueule n'importe quoi, faut que je le corrige. Non, mais c'est vrai que... Non, je suis désolé. Non, c'est vrai que la porte, elle symbolise deux choses. Enfin, il y a deux portes, en fait. Mais il y a plusieurs fois. Voilà, ouais. C'est ça, le truc. Là, vous faites, mais quoi? Mais qu'est-ce qu'il raconte, putain, je comprends rien. Les beaux gosses. Dis donc, c'est une image virtuelle. S'il te plaît. Tu touches pas à ma PS3 quand je suis pas là. Oh. Ah, Kerry. Ok, coucou. On va pouvoir voir les doubles anglais. Sorry, you lazy bum. Ah, je préfère un anglais. Comme elle a une voix de trop d'adolescente là. Are you still dreaming? It wasn't a dream. Or was it? I don't know. What was that place? C'est un endroit. Yes, sure. C'est un buvard. Tu peux arrêter. J'écoute l'anglais. Nothing at all. Nothing. You ever want to go back? Le problème c'est que après je vais avoir des droits de copyright si je mets pas un peu de si je mets directement la vidéo comme ça, ils vont me supprimer la vidéo sur YouTube. Oh, mais en plus ça arrivait presque avec ce qu'il disait. On va tous le voir. Voilà, c'est ce qu'on attend. Je suis le m'activer pour ce radeau. Oh, les dents. Il a des dents d'âne, c'est une grosse dent. Ok, on va finir ensemble. Je vais vous racer. What? Are you kidding? Ready? Go! Ouais, il y a une petite séquence. Ah là là, on court. Non, c'est pour faire visiter l'île en fait. Voilà. L'île du destin. Vous arrêtez pas aux premières impressions. Ça fait un peu cartoon ou ça fait un peu, tu sais. Ouais, on va apprendre l'alphabet ensemble. Non mais je vous assure, c'est vraiment... Faut lire en travers des pixels en fait. Non mais c'est... Voilà, l'île du destin. Parce que le jeu va être divisé en plusieurs parties, en plusieurs mondes. Il y en a pas mal. Ouais, c'est vrai. Il y a des mondes cachés aussi. Donc voilà, on va vous laisser là-dessus pour ce premier épisode, en espérant que ça vous donne envie de regarder la suite. Et si ça vous donne pas envie de regarder la suite, ben tant pis, parce que nous, on va quand même continuer, donc rien à foutre. On vous donne rendez-vous la prochaine fois, parce que je vais pas dire la semaine prochaine, parce que je ne sais pas quand cette vidéo va sortir. J'ai gagné un rondin. Bah écoute, c'est nickel, j'aime bien gagner des rondins. Et je ne sais pas quand les vidéos vont sortir. Puisque je sais pas quand on sait qu'on va tourner. Enfin, on peut pas tourner tout le temps. Donc, vous aurez les épisodes quand on pourra. Donc, on vous donne rendez-vous pour la prochaine fois en espérant que vous aimez la vidéo. Et partagez, commentez. T'as un problème? Tu as un problème? Verlox. Et donc, salut à tous. J'arrête en écoute.
écran, portant la mention play again.